Mais oui, c'est le petit câlin du matin. J'ai passé une nuit de merde. La moitié de la nuit, je l'ai passée à tousser. Ouais. Résultat, je suis explosée ce matin. C'est pas grave, ça va aller mieux. Hein? Le docteur, il a dit que ça allait aller mieux. Je prends mon petit déj et bah, je vous reprends juste après. Ce matin, j'ai pas très faim, donc je vais me prendre ça, les Rice Krispies, avec un peu de lait, mais bon, comme il faut manger quelque chose, puis après je prendrai mon petit café. Et coucou, bienvenue dans ce nouveau vlog. Je sors de la douche, je viens de laver mes cheveux avec le nouveau shampoing d'hier Kérastase. Bon, c'est un petit peu tôt pour me prononcer, évidemment, même s'il laisse les cheveux doux, ça les a un peu gainés. Il est 10h, Eric vient de partir au boulot, il avait cours à 10h. Moi j'ai très peu déjeuné, je commence un peu à avoir faim et surtout j'ai pas pris mon café. Alors ça c'est juste pas possible. Commencer une journée sans café, je dis non. J'ai mis mes cheveux comme ça parce que j'ai également la Line Box. Vous savez, c'est une box avec un accessoire beauté, mode, lifestyle. Et là, c'est, on va dire, un petit béret très automnal qui a l'air sympa et ça rendra mieux, je pense, si je le présente avec un carré hein, plutôt qu'une queue de cheval. Donc voilà, ça c'est le petit programme. Mais pour le moment, c'est café. Je suis en train de me demander si je me ferais pas. Je suis blanchette. Une petite tartine quand même. Parce qu'il faut que je tienne au moins jusqu'à midi et demi. Donc ouais. Je vais faire une petite tartine grillée avec confiture et beurre. Mon jus de carotte. Ah ouais, avec toutes les carences que j'ai, il faut que je fasse le plein de vitamines. Mais je suis blanche ou c'est la caméra? Bon, par contre, le matin, chez moi, c'est cocktail, hein, direct. Et ouais, bon, c'est du jus de carotte, évidemment. Mais j'avais envie de le boire dans ce verre-là. Santé. C'est absolument pas pratique, hein. Non, de boire là-dedans. Je suis pas certaine que ce haut, enfin ce coloris, le haut en lui-même j'aime bien, mais le coloris comme ça, je sais pas, par contre j'adore. Hein. Ça en noir et tout, j'aime beaucoup, ça fait un joli port de tête, légèrement ouvert comme ça. Et en attendant que mes tartines chaudes, je ne vous ai pas montré, vous savez, quand j'ai fait ma vidéo sur le soin là, avec de la même marque Dual, j'avais reçu ça également pour vous le présenter. Et j'avais dit à la marque, ça avait l'air super, c'est vraiment que des ingrédients naturels pour en fait venir brûler la graisse, ça va venir détoxifier, c'est un coupe-faim naturel. Et à l'intérieur, je n'avais pas vu, il y a du thé et du thé vert. Et moi, avec mon anémie, je peux pas prendre de thé. Donc, bah, j'étais dégoûtée. Mais apparemment, c'est hyper bien. J'ai vu plein, plein, plein d'avis. Donc, si jamais c'est des petites gélules à prendre, je crois qu'il y en a 4 ou 6. Il n'y a pas de gluten, c'est vegan. La copeau est plutôt très, très clean. Donc, bah, si jamais ça vous intéresse, je vous mets le lien dans la petite barre d'infos. Mais ouais, j'étais dégoûtée. Donc, bah, je vais les donner. Il faut que je demande quelqu'un dans mon entourage s'il veut les prendre parce que c'est quand même un super produit. Donc, voilà. Et je crois que c'est bon, ça a sonné. Hop, on va enlever ça, il est 4 heures. J'ai encore pris du retard, j'étais en plein montage, j'ai bossé sur trois trucs en même temps, voilà, clairement. Et vu que ça décline la luminosité, eh bien je vais vite, vite, vite tourner. Bon, je vais voir les projos, c'est pas gênant. Mais bon, il faut que je la fasse, quitte à la monter demain, mais au moins je veux que ce soit tourné. Et après, j'aimerais aller à Action parce que ça fait au moins 5 jours que je vous dis qu'il faut que j'aille, en plus même. Voir le fameux portant là en bois qui a l'air canon. Pff, de toute façon, il sera plus. Je l'achèterai pas forcément si jamais il y est, mais au moins on regardera ensemble. Donc ça, c'est après. J'ai tellement pris de retard ce matin avec des conneries que bah voilà, je vais manger devant le montage. Vous savez, c'est mon petit boulgour algue. Eh bien, au final, c'est comme à chaque fois. J'ai commencé, j'ai fait le tournage, j'ai commencé à faire le montage et puis bah je vais au bout. Donc je vais la publier ce soir. Moi, ça m'arrange, hein. En plus, c'est court, tu vois, c'est 2 minutes 40. Et bah, je vous invite à aller le voir, il est très joli l'accessoire. Enfin, j'aime bien. Jack s'impatiente depuis tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est chiant quand t'es concentré, tu bosses et que t'entends comme un bébé, tu vois, les bébés tout le temps. Donc, bah, je vais lui donner un petit goûter, puis bah, moi, je vais en profiter. Il est 5 heures, je crois, peut-être moins 10, pour me faire ma petite décoction magique là. Ça va me faire du bien, je pense. Oh, ça m'agace. C'est pire qu'un bébé, hein. Allez, on y va. Oui. Voilà tout ce que je vais utiliser pour ma petite décoction. J'ai même rajouté du miel. Je le fais pas à chaque fois.
Bon, je suis retournée, je finalise. Je fais la miniature pour la chaîne des box, je finis ma décoction. Eric est rentré, il me fait, on se croirait dans une pizzeria ici, ça sent trop fort, c'est le thym. Et après, bah, je vais à Action. Allez, j'y vais. Bon, là, pour le coup, il fait nuit. Oh, j'espère que je vais pas tomber en rade, j'ai plus d'essence depuis au moins 2-3 jours. Faut que j'atteigne ma pompe. J'y vais! Ok bébé. À tout à l'heure. Salut. J'attends, j'aime pas mettre l'essence. Ça caille toujours, il y a toujours des courants d'air, plus ça pue. Et ouais, il est temps là. J'aurais pas pu, je pense, faire 10 bornes de plus. C'est là que la lumière sur la perche va peut-être m'être utile. Ah! Ouais. C'est pas un truc de fou, je vais sortir. Eh bien, je suis devant chez Action. On va aller voir pour le portant. Et j'y vais vraiment que pour ça, à moins que je trouve un truc de super intéressant, mais bon, on va regarder. Ils ont été dévalisés? Ou comment ça se passe? J'ai peur, j'ai cru que c'était déjà fermé ici. Quelle heure? Oui, quelle heure? 6 h, je crois. Il est très beau ce papier. Mais j'en ai déjà plein, plein, plein à la maison. Ouais. Alors. Il serait où ce portant s'il devait être mis quelque part? Normalement, je pensais qu'il serait à l'entrée, moi. Je vais faire un tour et puis si je le trouve pas, je demanderai quand même. Alors, je viens de me renseigner. Ils n'en ont plus. Il avait l'air tellement bien. Je voulais voir le prix et puis un peu sa construction. Tant pis, c'est pas grave. Peut-être qu'il reviendra parce que si ça a plu, c'est le genre d'article qui peut revenir. Bon, j'ai pas compris. J'ai pris des trucs qui n'étaient pas du tout prévus. Je vous raconte ça en rentrant. Comme vous pouvez le voir, je suis rentrée il y a 10 minutes et je suis en réflexion vu que j'ai trouvé et acheté plus de choses que prévu. Est-ce que je vous montre tout ça maintenant, sachant que le vlog que vous êtes en train de regarder n'est pas très 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 riche, hein, il n'y a pas énormément de choses, ou bien parce que je pensais faire moi un haul demain, sachant que dans ce que j'ai acheté, j'ai un projet, enfin c'est un projet, je vais faire une vidéo là-dessus, un truc que j'ai encore jamais fait parce que j'osais pas. Et je me suis dit, bon, allez, tu le fais, ça peut être cool. Il y avait deux, trois produits qui étaient sympas. Et je réfléchis encore 2 secondes. Jack, qu'est-ce que je fais? Si Jack miaule dans les 3 secondes, enfin, quand je vais compter à 3, je vous montre tout de suite. Sinon, ce sera demain. Et je ne coupe pas. À 3, s'il miaule, je vous montre tout de suite. C'est ça, oui. 1, 2, 3. Il s'est passé un truc quand même. Il a bougé à 3. Et je devrais allumer. C'est tristoun quand je... Attendez, je vais allumer. Et j'ai regardé les commentaires là, parce que ma vidéo est sortie il y a... il est 7 h 12, donc elle est sortie il y a 1 h 12. Et vous me dites que vous trouvez ça cool quand Eric intervient, plus on l'entend parler, on ne le voit pas forcément, non, excusez-moi. Et c'est vrai que moi aussi j'aime bien. C'est quand même plus vivant, il fait partie de ma vie, hein, tout simplement. Et c'est surtout Eric, quelqu'un qui est très 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 intelligent. Vraiment. Et très intéressant. Aussi, beaucoup. Donc c'est vrai que c'est dommage de ne pas profiter un peu de son savoir, de ses réflexions qui sont, je peux vous le dire, très pertinentes. Si il regarde ce vlog, c'est pour me rattraper d'hier quand je me suis moquée de lui et avec son côté gaga. Voilà, donc on parle, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je vous montre pas. Donc maman, elle a décidé qu'elle ne ferait pas la présentation de ce qu'elle a pris, ce qu'elle a trouvé chez Action. On fera ça demain. Ça va, ça se passe toujours aussi bien avec ta petite bouillotte? Je suis en train de me recoiffer et je me suis rendu compte que le trait de blush finalement se voyait énormément et j'ai pas du tout l'impression d'en avoir mis beaucoup, surtout que c'était avec de la poudre. Ou alors c'est l'éclairage, vous voyez? Ça va pas du tout ça. Et pareil de l'autre côté. Ouais, c'est bizarre. Je pense que c'est plutôt les lumières, non? Je vais faire ça ce soir. Les escalopes panées, les excellentes escalopes panées. Je pense que tu les aimerais beaucoup. Et avec, je vais... Oh là là, elles
est-ce que vous avez déjà mangé des marrons entiers comme ça? Faire venir dans la poêle avec du beurre, qu'est-ce que c'est bon. Soit avec ça, soit avec ça. Je pense que ça va être ça. Ouais, nickel. Mais rien du tout. Ah, ça a l'air d'être mieux là. Non, mais c'est parce que j'ai enlevé le truc. Attends. Ça fait flipper. Ça fait flipper. Alors, c'est laquelle que tu as allumée? Ah, super. Celle-là. Oh, merci. Nickel. Et voilà, il était en mode bloqué en fait. Il arrêtait pas. J'ai eu peur. Pas sûr que vous ayez compris ce qui s'est passé, mais moi non plus en fait. J'étais gentiment en train d'allumer le gaz et il s'est mis en mode bloqué. Il faisait tit 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 avec le gaz et impossible de l'éteindre. Donc grosse panique. Je ne connais même pas le bouton pour éteindre le gaz. Donc j'appelle Eric qui ne m'entend pas, qui vient pas. Forcément, il est en train de jouer avec son casque. J'étais en flip. T'imagines si je suis toute seule, je fais comment en fait un truc comme ça? Il m'a montré en fait, c'est sous l'évier, faut des. Ça craint. Donc, il a dû y avoir un truc qui s'est bloqué. Je sais pas. Super. Ça donne pas trop envie, ce petit. Je vais rajouter des émincés de champignons surgelés avec les marrons et tout. Ça va être carrément meilleur. Mmh. Un peu d'ail et un peu de 5B. Ça va être parfait. Wow, vous avez pas l'odeur. Oh là 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 là. Quand tu rajoutes comme ça un petit point d'ail. Fabuleux. Est-ce que vous le croyez? Je viens d'aller chercher Eric, je lui ai dit voilà, c'est prêt, j'ai fait un truc que t'aimes bien. Les petites escalopes revenues, j'ai mis un petit peu de crème légère, le marron, les champignons. Et là, il me dit oh bah mince, moi je suis pas prête. En fait, il est sur World of Warcraft. Et voilà, il peut pas lâcher comme ça. Donc quand c'est pas moi, eh bien c'est lui. On est vraiment fait pour être ensemble. Hein. C'est pas grave, je vais lui mettre sa petite assiette de côté. Et bah, moi, je vais manger toute seule. On a l'habitude. Hop. Alors moi, j'ai pas mis la crème légère pour moi. Regardez, il a compris. Il est en train de s'installer. Je vous ai pas dit, mais en ce moment, je regarde la série Dynasty. J'avais vu le premier épisode il y a un moment et j'avais pas accroché. Et bien, j'en suis à la saison 2. Bah, j'avais vu, tout le monde connaissait, pas tout le monde, la génération, la dynastie du début. Et franchement, j'aime bien. Non, c'est pas ça. Je vais pas regarder un safari pour Noël. En tout cas, pas maintenant. J'ai dit que je mettais pas de crème légère, mais je mets du chavreau. Je vous reprends maintenant avec ma petite lecture du soir, du moment. Kérosène Rose, la chanteuse. Qui avait fait notamment le tube La Liste. Et c'est sa bio, hein. Très, très, très bien. Très intéressant. Vraiment, c'est touchant. Je vous conseille ce petit ouvrage qui vient de sortir là en octobre. Voilà. Bah écoutez, sur ces belles paroles, je vais vous dire à demain pour une toute nouvelle vidéo. Je vous la remonte de plus près. Voilà. Son visage vous dit quelque chose. Bon, allez, je vous embrasse. Salut.